30 ans déjà qu'il s'est trompé de porte et de chemin. 30 ans à courir et tenter d'écrire un destin. Je ne pense pas que ce soit un menteur ou un méchant. Juste un homme perdu et de vos codes sûrement méconnaissant. Mais est-ce un salaud ? 30 ans déjà qu'on le drogue pour le calmer, pour tenter de le faire évoluer dans notre société. De ses jours de stabilisation en appartement thérapeutique, il connaît désormais la moindre de vos tactiques. Mais est-ce un salaud ? Il a blessé, heurté, ça il le sait, il emporte la culpabilité. Donc il est aisé de se questionner, est-ce un salaud pas de santé ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je ne suis pas étonné que certaines personnes posent cette hypothèse pour se rassurer. Tant que son monde enfantin s'est écroulé à bascule, pour le laisser face à des adultes sans scrupules, une société qui donne peu de modalités pour se soulager, vous laisse jouer avec votre mort pour vous apaiser. Mais est-ce un salaud ? 30 ans d'une vie à espérer le moment où les choses vont évoluer. La médecine n'est jamais bien loin pour vous orienter. De thérapie en thérapie, de canapé en canapé, à chaque fois une partie de soi laissée, à tout raconter. Mais est-ce un salaud ? Il a blessé, heurté, ça il le sait, il emporte la culpabilité. Donc il est aisé de se questionner, est-ce un salaud pas tenté ? Je n'ai pas la réponse à vos questions, mais je ne suis pas étonné que certaines personnes pose cette hypothèse pour se rassurer. Trente ans qu'il attend l'année suivante et fait un vœu. Trente ans que chaque année, il espère enfin faire ses adieux. Trente ans à attendre les réponses à ses demandes et à ses mots. Trente ans avec cette même question obsédante. Suis-je un salaud ? Il a blessé, heurté, ça il le sait, il emporte la culpabilité. Donc il est aisé de se questionner. Est-ce un salaud pas tenté ? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je ne suis pas étonné que certaines personnes posent cette hypothèse pour se rassurer. Il a blessé, heurté, et ça il le sait, il emporte la culpabilité. Donc il est aisé de se questionner. Est-ce un salaud pas tenté ?